この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et plop tout le monde. 8. Hop. Bienvenue sur ce petit live. Je suis Nova, votre humble serviteur. Ce soir, on se retrouve pour notre petit tournoi Little Cup sur Pokémon Violet Écarlate. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon petit week-end. Coucou à Moon, coucou à Houston qui sont déjà là, j'ai l'impression. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud, que vous êtes motivé pour ce petit tournoi de ce soir. Écoutez, moi ça va, j'ai passé un bon petit week-end, j'ai pu bosser comme je voulais, j'ai pu jouer comme je voulais. J'espère que vous aussi. On a le petit tropico de la chance pour ce soir. J'ai fait une petite team, écoutez, j'espère qu'elle sera bien, j'espère qu'elle sera d'attaque, qu'elle fera le poids contre les autres. On va voir. Comme d'habitude, petite récompense concoctée par notre cher Houston, qui est aussi en live. Vous pouvez bien entendu aller le follow, si ce n'est pas déjà fait, pour lui donner de la force. S'il continue son live après le mien, on ira certainement le raid. Sinon, on verra qui raid. Je sais qu'il y a Mob aussi qui reprend les lives. Ce soir, donc, Little Cup, c'est un format qui comprend les petits Pokémon, hein, comme Bulbizarre, comme Shaofuin, Smogo, et tout le tout team. Il va clore du coup cette saison 2 des Pokémon Budokai Tenkaichi. On avait commencé saison 1 à faire le tour de toutes les régions. Et saison 2, on faisait le tour donc des tiers Smogon. Et on termine aujourd'hui avec le tournoi Little Cup. On était allé du plus haut avec le Uber jusqu'à là. Aujourd'hui, du coup, le Little Cup, le plus nul entre guillemets. Voilà, je me suis bien fait poutrer. Aïe, aïe, aïe. Houston qui était sur Smash Bros, sur son live. Aïe, ouille. J'ai quand même gagné une fois sur la fin avec Palutena contre un Link Cartoon. Ah, bah c'est cool. T'as rattrapé l'honneur. Enfin, t'as gagné pour l'honneur. Comment va la team Pouloulou? Comment ça va Fumas? Le grand, l'unique, le seul. Écoutez-moi, un petit peu fatigoum. Mais ça va. Je vous dis, j'ai passé un bon petit week-end, j'ai pu bosser comme je voulais. Ça avance pour la musique de Pix, pour la petite collab que je fais avec Pix, vous le savez. Hein. Je crois plus en l'amour, la petite musique pour son clip. On a bientôt fini, ça y est, on a bientôt fini, on arrive vers un point d'entente. On a pu se poser tous les deux en vocal la dernière fois pour qu'il me dise avec ses mots à chaque fois ce qu'il veut, que je puisse lui mettre piste par piste la musique. On a trouvé une entente et il faut encore un petit peu améliorer ça, mais on est bon. T'inquiète, double commentary séparé pour le tournoi, comme ça on en profite, ça marche. Pas si grand que ça, mais ça va. Mais si. Grand par les qualités de cœur, putain. C'est surcoté d'être grand. Après, tu te cognes la tête quand tu prends le métro. Hop. Smash Bros, on l'enlève, c'est pas pour ce soir. Hop, Pokémon. J'espère que ça a sauvegardé ma team, parce que sinon je m'arrache la gueule. On m'a dit que tu t'entraînais également sur Smash, Fumas. Tu aurais dû me dire, on se serait entraîné. Mais pourquoi pas, ouais, si vous êtes chaud pour vous entraîner sur Smash, pourquoi pas jouer entre vous. N'hésitez pas, hein, sur le Discord, de toute façon, il est là pour ça. Vous pouvez pas mettre des petits messages dans le gymnase. D'ailleurs, demain, on fait le boss Arc d'Extinction. Qui sera là, qui sera pas là? Pour savoir. Le petit tropico.
Allez, je me donne de l'énergie, un peu de sucre. C'est trop cool, c'est trop bon. Trop bon. Ah! C'est sans les DLC, non, il faut Extinction. Je serai là, je pense tester le live dessus, mais je garantis rien. Au niveau du live, tu garantis rien? Oula, c'est un peu fort dans mon casque. Ouais, tu m'étonnes. Ok, on va remettre ça à zéro. Et je pense qu'on peut enlever les noms en dessous. Hop. Après, si mon live bug, tant pis pour le mien. On pourra tester le truc du feat sur Twitch pour live à plusieurs. Ouais, on peut tester ça si tu veux demain soir. Pas de soucis. C'est dommage que Ark fasse pas de chiffres comme ça. C'est peut-être intéressant, ouais, que vous ayez deux points de vue, même si bon. Le boss de demain, il est relativement simple. Faut pas s'attendre à du grand art. Et puis après, bah, je vous le ferai en VOD, du coup ça fera une exclue pour YouTube. Je vous le ferai hors caméra, enfin hors live. Je m'enregistrerai comme ça là avec mon layout. Comme si je faisais un live mais sans le live. Et puis ça me permettra de couper juste le combat. Faire une petite intro pour expliquer, voilà. Et puis faire le combat de boss. Et puis voilà. Il reste trois boss. Après celui de demain, il reste le Moeder. C'est un gigantesque poisson. Le boss de Genesis. Et Rockwell de Genesis 2. Voilà, il restera ces boss-là à faire. Donc je verrai. Je verrai si je reprends les live arcs. Je ferai peut-être un sondage au pire. J'en profite pour vous. C'est un code cadeau. Intéressant, ouais, on va tester ça. Yup, c'est un code cadeau. Allez, on va aller chercher ça. Ah, vous avez vu ma team? Oh non, oh mon dieu. D'ailleurs, bah Moon, j'ai vérifié. Houston, j'ai vérifié. Si Fumas, tu peux m'envoyer ta team sur Discord, pas comme on fait d'habitude. Cadeau mystère via un code. Ah, c'est un enfer à écrire les codes comme ça. Sacha avec ruban partenaire, ok. L1. K0. W1. TH. 906. Je t'envoie ça, ça marche. Wiss 906, d'accord. Un pousaja! Ouais, j'ai reçu un nouveau copain. Un pou à Sacha, oh là là, un pou Sacha. Préparez-vous à des apparitions massives de Pokémon absolument craquants.
C'est marrant, ils font le comme le Little Cup en même temps que nous. Prenez part au défi mondial. Il est où mon pouce Sacha? Où est-ce qu'il est? Où l'avez-vous mis? Il est là. Ah ouais, pouce à chat de Lico. D'accord. Et il a engrais. Ils sont dans le thème, écoute, ça regarde tes lives, mais oui, mais c'est un truc de dingue ça. Ils sont sur mes trousses, Nintendo et Pokémon Company, à chaque fois. Allez, moi je voyage là. Vous faites ce que vous voulez. On va tirer au sort les premiers combattants. Les premiers affrontements. Comme d'habitude, chacun va faire 3 matchs en solo. Et on va tous faire 3 matchs en duo multi. Ça regarde tes lives, mais pas leur serveur. Non, mais leur serveur, c'est un truc de dingue. Leur serveur, c'est le pire. Franchement, si ça fonctionnait bien, ça serait un énorme point négatif en moins pour Nintendo et leurs infrastructures, quoi. En tout cas, il n'y a que Mario Kart 8 Deluxe auquel les serveurs sont nickel et on fait une journée Switch. Ouais, ça a l'air plutôt correct. Même temps, il n'y a pas grand-chose sur Mario Kart 8 à gérer. En même temps, je dis ça, mais sur Smash Bros, c'est pareil. Les Pokémon, on n'en parle pas, mais Pokémon, c'est pas la même boîte, donc. On peut comprendre. Un Volcaropode. Ouais, ça me fait penser à la base sur Arc, notre première base. Attends, j'ai pas mes objets. Mais non. Mais non, Moon, elle a pas ses objets. Arrêtez de vivre. Moon, elle a pas pensé à ses objets, quoi. Non, mais allô, tu fais une équipe Pokémon, t'as pas d'objets. MSO, Moon sans objet. Opération MSO. Vous m'entendez? Les carottes sont cuites. Le chou-fleur pousse dans le potager. Moon n'a pas ses objets. Vite. Il faut exfiltrer les agents. Et ça clip, oh là là. Et ça clip. J'avais pas vu que Mob avait pris un abonnement avant-hier. C'était samedi. Ah bah oui, j'étais pas en live, j'ai pas vu. Bah merci à Mob pour l'abo. Faudrait que j'aille m'abonner aussi. Du coup, j'attends. La capture d'écran de Fumas, est-ce qu'il me l'a envoyé? Oui, Fumas, c'est moi qui attends. Ok, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon tout ça. Je vais vérifier. Il y en a juste un ou deux, je suis pas sûr. Et vous savez, on préfère vérifier coup critique. Allez, je vais tous les checker comme ça. Tac. On est sûr, mais le premier, je suis sûr. Le deuxième, je suis presque sûr aussi.
Oui, le troisième, c'est clair, c'est sûr, c'est net. Le quatrième, c'est pareil, c'est sûr, 800%. Lui, je suis moins sûr, le cinquième. Non, ça a l'air d'être bon. Et le dernier. Yes. Eh ben, c'est bon, Fumas. Ta team, elle est nickel. Ta team est nickel, par contre, tu n'as pas mis les objets non plus, j'ai l'impression. Fais attention. Nice. Ouais, je crois que tu n'as pas mis les objets, on les voit. Hein. Ouais, on les voit. Donc, n'oublie pas ça. Et on va tirer au sort du coup. Wop. Les premiers concurrents. Plouf, plouf. En ligne. Plouf, plouf, nous avons Houston. Nous avons Fumazu. Nous avons Xian. Et nous avons Mon. Mon. Tirons au sort les premiers concurrents. Et c'est Mon contre moi, Houston. Houston contre Fumazu. Alerte NSO. Néga sans objet. Néga Fuma sans objet. Ou FSO. Ah. NFSO. Néga Fuma sans objet. Ok, du coup, Moon. Contre moi. Fumas contre Houston. Combat en réseau, mot de passe 25 03 et 25 03 2 pour Fumas et Houston. Je tag Moon. Je rappelle que la Roche Royale est interdite. Attends, attends, ok. Je rappelle que la Roche Royale est interdite. Que la capacité relais est interdite. La capacité toile gluante est interdite. Et qu'il y a une liste de Pokémon interdits qui est disponible sur le Discord. J'attends, Mounin, tu me dis quand. Tu me dis. Tout simplement, dis-moi quand c'est bon. Même pas le droit de se sentir royal ici. Pff. Comment ça? Ah ouais, la Roche Royale. Non, on peut pas. Mais non. Malheureusement, on peut pas. Interdiction. Ici, c'est la France. C'est le France ici. Ici, c'est la Révolution. Du coup, c'était qui les Pokémon interdits? Nous avions Capumain, Bargantua, Ligne Blanche, Bombidou, Topiqueur, Insolurdo, Duraludon. Duralugon, du coup, je pense. C'est le nom anglais. Flotillon, Scorvol, Girafarig, Meditica, Feuforev, Cornèbre, Quillfish d'Issui, Porygon, Furéglon, Bagiguan, Insécateur, Farfuret d'Issui, Vipelière, Serfrousse, Goupix d'Alola et Yanma. C'est la liste des Pokémon interdits en Little Cup. La capacité relais et toile gluante sont interdites et bien sûr le talent lunatique est interdit aussi. Voilà. 25-03 Moon, je recherche. Attendez, on n'a pas, on n'est pas allé lurk nos amis, nos zouzous. Alors attendez, on a qui? Ah, j'ai trouvé. On a Fufty. Ah non. On a Fufty, on a Mob, on a Lilo et on a Houston. Hop. Fufty, Mob. Hop, Lilo. Et Houston. Hop là. C'est bon. Ok. Ok.
Et du coup, on va mettre Pokémon Sauvage, Pokémon des régions ouest pour Moon. Puma s'est demandé au comptoir 25032. Oulas, ça ne respecte personne. C'est y part. Et donc, dans la team de Mou, nous avons Charpentis, Tarsal, Goinfrex, Nénuphio, Watwat et Archéomyr. Dans ma team, nous avons Carapuce, Goinfrex, Fantominus, Germéclat, Kungfouine et Thiboudet. Foulas le Bolas. Je suis là, je t'attends depuis 3 heures. Il est au comptoir. 25-032. C'est parti pour le premier match de ce tournoi. Little Cup. Moon contre moi-même. Moon qui envoie Charpentis. Et c'est Germéclat qui est envoyé en face. Que va faire Moon face au Germéclat? Son évolution, hein, Open, Suicide, Open Lead. Suicide Lead, très courant en strat, dans la méta 9G, même si un petit peu moins dernièrement. C'est le piège de Rock. L'oignon. L'oignon. Et l'éboulement. Qui dépose les piques avec le dépôt toxique. Le choc venin. Vont faire des gros dégâts. Un deuxième éboulement. Qui vont déposer une deuxième lignée de pics toxiques. Moon qui va avoir du mal à placer ses Pokémon. Avec deux lignes de pics toxiques, une ligne de piège de rock. Les switches vont être difficiles, vont être compliqués. Le Germéclat qui achève le Charpentis avec le choc venin. C'est Tarsal qui est envoyé. N'était-ce pas une mauvaise idée d'envoyer un Tarsal face à un Pokémon poison? Et oui, malheureusement, le choc venin qui va achever le Tarsal. Qu'est-ce que Moon a dans son sac? C'est le seul avec les grosses bottes, j'avais de l'espoir. Malheureusement pas assez rapide. Mais bonne idée pour les grosses bottes. Nénuphio qui est envoyé. Nénuphio qui est percé par les pièges de rock et empoisonné gravement par les pics toxiques. Malheureusement, le choc venin qui va one-shot le Nénuphio. Mon oignon magique. Rien ne l'arrête. Archéomyr qui est envoyé. Archéomyr qui ne craint pas. Le tir debout. Qui va faire de gros dégâts, mais ça ne va pas tuer. La vitesse du Archéomyr qui baisse. La gyrobale qui va achever le Germéclat. On aurait dû commencer par là. On aurait dû commencer par le Archéomyr. C'est Thiboudet qui est envoyé. Contre Archéomyr, Moon qui n'a plus que 3 Pokémon. Le Piétissol qui va venir à bout du Archéomyr. Que 2 Pokémon pour Moon. C'est Goinfrex qui est envoyé. Goinfrex
Rex qui va prendre les pièges de Rock et être empoisonné par les pics toxiques. Le double pied du petit boudet. Touché une fois. Touché deux fois. Warfrex qui va manger une baie. La baie citrus du Warfrex. Le canon graine. Ils vont faire de gros dégâts. Ça va booster la défense du Tiboudet. Grâce à l'endurance. Et les restes. Qui vont lui rendre des PV. Quant au Warfrex, c'est l'inverse. Le poison qui va l'entamer. La tête de fer qui va pas tuer. Le canon graine lui qui devrait. Non, qui ne tue pas. Grâce à l'endurance. Le poison qui ne tue pas non plus. La tête de fer qui va achever. Les restes qui vont soigner un petit peu le Tiboudet. Et c'est Watwat, le dernier Pokémon de Moon, qui malheureusement va subir aussi les Entry Hazard. Difficile le match pour Moon. Le Pétisol qui va one-shot malheureusement Watwat. GG Moon. C'est Watwat que je préfère, c'est Watwat. Bien. Désolé Moon, désolé pour ce match difficile. Oh, un petit Mimantis. GG Moon. Du coup, 2 points pour moi, 1 point pour Moon. Pour ce premier match. Où en sommes-nous avec Yustan? Je vais me mettre comme ça. Hop. Presque pas de son. Je sais pas vous. Allez Zoria, tu peux y arriver. Ah ouais, c'est le son du jeu qui est très bas, Yustan, si jamais tu m'entends. Pyronil le retour. Ma Pyronie, du coup, 2 contre 4 pour Yustan, 4 Pokémon pour Yustan, 2 pour Fumas. Ouais, ah ma voix est très basse. Non, c'est ta voix, ça va, c'est le jeu, en fait, on n'entend pas la musique du jeu. Et c'est le moustillon, starter préféré de Fumas, il me semble. Ah, non, c'était Tiplouf. Principalement le... Alors c'est Tiplouf, le... je dis de la merde. Moustillon, je pense à partir de toi. Le Zoroi du Sui... Alors, au cas où, pour expliquer, là, actuellement, même s'il est mort, mon Zoria était sous plénitude, une fois. C'est pour ça. Ça va être dur pour Fumas de revenir. Ce qui va y arriver. De Salvio. Ah non, il a tonnerre. C'est mort. GG. GG à toi, Fumas. GG, Fumas. Allez, on rééchange. Hop. Il a tonnerre. Mais hey, au début, quand même, je te dis perso, si jamais tu en trouves, Diane. Au début, il était en train de gagner. C'est mon Zoria qui, sous plénitude, qui a monté. Et bah, GG à vous.
Pumas qui était en train de gagner au début. On va refaire donc un tirage. Attention, ça sera Yustan contre moi. Fumas contre Moon. Belle strat. Effectivement, ça avait l'air d'être joli. Ça va être un beau match. On est arrivé à la fin, malheureusement. GG en tout cas. Du coup, Yustan. Hop. Un point pour Fumas, deux points pour Yustan. Hop. Yes. Yustan, je t'attends en 25-03. Donc Fumas et Moon, ça sera 25-03-2. Et ensuite, on aura Fumas contre moi, Moon contre Yustan, du coup. Et puis, on passera à la phase 2 du tournoi. Je recherche. Ah, j'aurais pas assez d'une canette ce soir. Yes, Fumas au taquet. Ah bah non. C'est Houston. Fumas, c'est après. Et du coup, règle souple. Hop. Je vais mettre... Allez, l'Est pour Houston. Palam pam. Palabadam. On est parti, Houston qui a donc Zorua, Dissui, Miaouss, Dalola, Topico, je sais plus comment il s'appelle, Evoli, Poussacha, Fennec, Topico je crois, ouais c'est Topico et Triopico, je crois que c'est ça. Et quant à moi, j'ai toujours Carapuce, Goinfrex, Fantominus, Germécla, Kunkwin et Thiboudet, j'ai Tropico, c'est ça. Tropico. Quand c'est trop, c'est Tropico. C'est parti. Second match de ce tournoi. Tropico, yup, ok. On les voit tellement pas, eux deux, là, lui et son évolution, que... Attention. Yustan qui envoie son Evoli. L'Evoli de Pania. Quant à moi, j'envoie mon Germécla. Premier round. Premier tour de ce second match. On a la balle ombre de l'Evoli. Fait de bons dégâts. Les pièges de roc qui sont posés. La balle ombre. Encore une fois du Evoli. Le rayon gemme. Qui va faire de bons dégâts. Encore une balle ombre. Il va pas tuer. Le rayon gemme fait encore une fois de bons dégâts. Pardon. De bons dégâts. Extinction de voix. Et Goinfrex l'opportuniste qui est envoyé. Et Goinfrex shiny. La balle ombre qui va pas passer. La voix envoûtante qui va faire R, le plaquage qui va achever. Evoli au tapis, les pièges de roc sont placés. Peut-être que Yustan a tour rapide dans son équipe.
La plénitude du Fennec. Qui va augmenter attaque et défense spéciale. Je ne sais pas si c'est très utile. Ah, ça n'affecte pas Fennec. C'est donc que ce n'est pas un Fennec. Terra cristallisation. Le type ténèbres. Bonne stratégie de la part de Yustan. Le vibre obscur qui est donc stabé maintenant. Qui va pas faire de gros dégâts. La morsure qui va pas faire de gros dégâts non plus, mais qui va percer la couverture du Zoroi. L'illusion du Zoroi. Le vibre obscur. On devrait faire un petit peu de dégâts, oui, un peu plus que juste avant. Le plaquage maintenant qui va donc passer. Le plaquage qui va faire de bons dégâts. Hein. Est-ce que le vibre obscur tue? Je ne crois pas. Et si le vibre obscur tue? Bien joué. Le Goinfrex qui tombe. Tenter. Kung Fu In qui est envoyé. Le bluff qui va suffire. Le bluff qui va suffire à tuer le Zoroi. C'est fini pour la Terra Cristallisation du côté de chez Yustan. Et c'est Fennec qui est envoyé derrière. Fennec qui prend de gros dégâts. Hein. Ah, le choc psy qui va passer. Je pensais que Kung Fu n'était plus rapide. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. La veste de combat qui est volée. Fennec qui ne peut donc plus qu'utiliser des attaques offensives. C'est Carapuce qui est envoyé. Le choc psy. Qui va faire donc moins de dégâts hein, que si c'était une attaque spéciale. Puisque mon Carapuce a une bonne défense. C'est tout bénef pour moi. Le Vibraquois qui va rendre confus le Fennec. Ça, c'est une aubaine. 4 Pokémon contre 4 Pokémon. Attention, est-ce que Fennec va se frapper dans sa confusion? Oui. Fennec va s'achever même. Fennec est KO. Le Vibraquois qui ne va donc pas passer. Le match est serré. Sacha qui est envoyé. Carapuce qui est rappelé. Germécla qui est envoyé. Le canon graine qui va faire tomber une rangée de pics toxiques. Le Germéclat qui aura fait son travail. Un peu tard, mais qui l'aura fait quand même. Et yo les Raiders! Wouh! Merci Lilo pour le raid, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Je vais te faire un petit SO. C'est fait. Merci beaucoup, Moon. Le pouce à chat KO à cause du vent glace. Un petit SO Valorant. Attention,
La panique. La panique. C'est Fumas qui a gagné. Ok. Je note ça juste après. Miaouz d'Alola qui est envoyé par Yustan. Vous étiez sur Hearthstone avant. Oui, c'est vrai, j'étais en lurk. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des wins? Qu'est-ce qui serait bon de, pour moi de faire? Il t'en reste un encore. Hein. Bon allez, on va pas tergiverser. Ah, t'es plus rapide, putain enfoiré. Nope. Un top 2 et le reste était naze. Ah, rip. Rip. Enfin bref, je vous laisse. Il se fait faim. Bon live à vous. Bah écoute, bon appétit. Merci. Et puis surtout, merci pour le raid. Tu régales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis bienvenue à tous les Raiders. Ici, on fait un petit tournoi Pokémon spécial Little Cup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des catégories de Pokémon qui sont faites par un organisme qui s'appelle Smogon. C'est une commu. Oh là là, la trouille. GG, Yusan, t'as gagné, je pense. T'as gagné là-dessus. Tu as gagné là-dessus. GG. Et là, donc, c'est le Little Cup. C'est que des petits Pokémon. Un bon joueur de champ de bataille. GG. Le Axe. Je me suis fait Axe le match. Bébé, GG. Bravo. Le tonnerre. GG! GG! Du coup, 3, 4, 2, 3. Et donc le dernier match, c'est Fumas contre moi, Houston contre Moon. Hop. Je vais juste commencer. Comment ça va, Essential? J'ai vu que t'étais dans le chat. T'es où? Oui, t'étais dans le chat, t'étais là. Je t'ai vu. Un Pokémon pris à l'arrache qui clean mes combats, en tout cas. Et écoute, écoute, t'as bien fait de le prendre, tu vois, finalement. Il fait le café. Mais ouais, si t'avais pas eu... si tu m'avais pas mis la trouille, là, si tu m'avais pas effrayé, à la fin, je le battais. Et je sais pas ce qui te restait à la fin, mais... J'avais quand même petit boudet carapuce, je pense que j'aurais peut-être pu gagner, mais... Ça va et toi? Mais écoute, la forme, la pêche, la patate, la banane, tout, la salade de fruits, de légumes, tout, les frites. Topico, ouais. Bon, ça aurait été dur pour moi aussi, parce que j'avais petit boudet, mais bon. J'aurais dû retirer mon Fantominus, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas comment j'aurais dû jouer. Du coup, 25-03 Fumas. Je lance. J'ai voulu, j'ai pensé à vous, j'ai voulu installer Valorant la dernière fois. Pour jouer avec Pixemotion, ce qu'il m'a proposé, et je me suis dit, allez, j'installe Valorant, et ça demande de redémarrer Valorant quand tu l'installes. Du coup, bah, je lance le redémarrage de mon ordi, il redémarre, black screen. Genre, je vois que le curseur, mon écran, mes deux écrans noirs, je me dis, what, qu'est-ce que c'est? Je le relance, je me dis, bon, c'est peut-être une erreur au lancement, quoi, un petit problème. Pareil.
Je lance réparation de disque. Pareil. Je lance récupération Windows. Pareil. J'ai dû lancer en mode sans échec. Supprimer Valorant et Riot. Relancer mon ordi. Et ça a marché. On va savoir. Donc, bah, Valorant, pas pour moi. Fumas qui a donc Moustillon, Bébécaille, Scalpion, Lixi, Pironi et Rhinocorn. MDR, plus jamais tu DL Valo du coup. Ouais, non, plus jamais je DL Valo. Plus jamais. Tant pis, hein. Tant pis. Et Fumas commence avec Rhinocorn. Quant à moi, je commence toujours par mon oignon Germéclat. Et merci Astral Dragon pour le follow, bien vu dans le crew, bien vu sur ce live. Ton oignon, eh oui mon oignon. Et c'est Tunnelier. Ouh, Tunnelier qui fait des gros dégâts, qui a presque one shot. J'espère que tu vas bien, Astral Dragon. Allez, un petit tir debout. Tu fais des combats à beau. Alors, on fait un tournoi. Little Cup, Astral Dragon. Là, on a un petit peu commencé. C'est un petit peu compliqué. Ça fait déjà une heure qu'on joue. Mais je t'invite au prochain. Oula, non, si je rentre pas la commande comme il faut, ça va être compliqué. Tu peux nous rejoindre sur le Discord si tu veux. On en fait toutes les deux semaines. C'est... Oula, j'ai du drift. Super. On fait des tournois à thème, donc là ce soir c'est Little Cup. C'est que les petits Pokémon. Là comme je dis, on a déjà commencé, ça va être compliqué de t'intégrer dedans. Mais pour les prochains, tu es carrément le bienvenu. On recherche justement plus de joueurs pour faire des plus gros tournois, pour pouvoir faire des vrais tournois justement. Avec éliminatoires, avec des plus gros gains à la clé. Scalpion qui est envoyé, Fumas qui a retiré son Rhinocorn. Scalpion transpercé par les pièges de rock. Vibraquois qui va faire de bons dégâts quand même. Tranchère. Scalpion qui se blesse avec le casque brut. Le tir debout du carapuce qui va achever le Scalpion. Scalpion shiny, tout shiny. Attention, Hartung qui va envoyer Fumas. Mon carapuce remue la queue. Il est heureux. Bébécaille. Bébécaille qui est empoisonné, percé par les pièges de rock. Yo la forme, Kouvret, comment vas-tu? Mais la patate sinon, la patata. Petit tournoi Pokémon ce soir. Impeccable, cool. Quoi faire, j'ai pas grand chose là pour te contrer. Non, bah écoutez, je suis obligé de sacrifier mon carapuce. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Le carapuce est KO. Il est KO. C'est quoi comme type en face? En face, Bébécaille, c'est un dragon. Dragon combat. Je ne le connais pas. C'est 7ème génération, c'est Alola, Soleil et Lune. Sur 3DS. Ça commence à dater, hein. Ça va faire quoi 8 ans? 9 ans?
que pour moi, c'est encore un peu un nouveau dans ma tête, bébé Kai, alors que, ouais, ça fait 8 ans, quoi. Envoie un Pokémon Psy ou Glace ou Dragon ou Fée. Bah malheureusement, j'ai rien de tout ça. J'ai envoyé mon Fantominus. J'ai envoyé mon Fantominus et je lui ai fait Vent Glace. On va voir ce qu'il fait. Yes! Vent Glace a marché. Le bébé Kai est au tapis. Qui va envoyer Fumas? Fumas envoie Lixi. Lixi qui est empoisonné. Ah non, il a un ballon, Lixi. Il a son petit ballon. J'envoie Thiboudet. Thiboudet. La mâchouille. Ouh, la mâchouille qui aurait fait grave mal. Et yo, Arlo. Merci pour le follow. Bienvenue dans le crew. Hello, how are you? Fine and you? Fine and you. Glad to hear that. Thanks for the follow, welcome. Fumas qui retire l'Olixi. Il envoie Moustillon. You play LOL or CS? No. No, sorry. No LOL here. Le Kettisol qui va faire des dégâts, qui va baisser la vitesse du Moustillon. El Moustillon. Et yo Manu, comment va-t-on? Le Moustillon qui souffre. Qui souffre de sa blessure de poison. Can play sometime, but my aim sucks. Me too, dude. I suck at FPS. Not good at all at FPS. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, hein. Le Piétisol du Thiboudet. Oh non, qui ne va pas tuer? Le Moustillon qui va me revenge. Fukilam qui va one-shot. Ah. Ah, Thiboudet. Ah. Mais le Moustillon part aussi au tapis. Grâce au poison, c'est le chaos. So do you stream for entertainment or stream is your passion for entertainment? Allez, on va envoyer Kung Fuin. Ouh, Rhinocorn. GG Moon, mais je gagne. Ouh. Stan qui a gagné. Alors on va tenter ça. You try to learn French? Yes, but not now. Toujours avec un finish du Miaouss. Le Miaouss qui a l'air d'être le focus, le Pokémon à abattre. Le bluff qui a suffi, qui a envoyé Rhinocorn au tapis. Pyronil qui est envoyé. Pièges de roc qui font énormément mal aux Pyronies. Elle a tenté la Terra versus la Terra, mais ma Terra qui bat sa Terra. Aïe aïe aïe. Ma Terra qui bat la Terra parce que la Terra versus la Terra. By the way, I have an offer, may I share it? Go ahead. Tell us. Salut Urbain. Urban. C'est latéral.
C'est latéral. Ah là là, latéral, latéral. Ouh. Salut, Macre. Kung Fu inévite l'attaque. Le rebond. Boum. La mort vient du ciel. Pyrrhonie qui tombe KO face au Kung Fu In. Lixi qui est envoyé. Do you need artists for your channel in reasonable prices? Don't ban me. No, dude. Thanks, but no. I'm an artist myself. I do everything myself, by myself. L'étincelle du Lixi. But thanks. Peut-être que c'est parce que je live que je me sens victorieux avec mon Pokémon sorti de nulle part. Mais c'est normal, normal, Houston. Allez, on va tenter l'écosphère. Yes! J'ai gagné. Oh bah j'ai gagné. And I won't ban you just for advertising your art, dude. That's okay. Du coup, Fumas, 1 point. Bibi, 2 points. Moon, j'ai cru comprendre, 1 point. Et Houston, 2 points. Houston qui est en tête, suivi par moi-même. Ensuite, Fumas. Puis Moon en dernière position. Bon, même si ça va être difficile pour Moon de reprendre et de gagner, il faudrait que Houston perde tous ses matchs et que Moon gagne tous ses matchs là à partir de maintenant. Et vu que Moon va jouer avec Houston, faudrait que elle gagne le match mais que Houston le perde alors qu'ils sont ensemble, ça va être compliqué. Mais rien n'est encore joué pour le score final. Fumas peut encore gagner, je peux encore gagner et Moon peut encore se placer dans le classement. Donc n'abandonnez pas, gardez l'espoir. Vous ne possédez pas cette boule. Oh non. C'est honteux. C'est honteux. Bon, en même temps, Moon, ça va, t'as pas préparé ta team pendant des siècles. Ah shit. Here we go again. Alors, je vais, justement, tu fais bien de l'utiliser. Quoi? Moon, c'est moi qui fais ta team avec toi. D'accord, t'étais là. Mais hé. On l'a fait à l'arrache, ta team, donc bon. Prions le Saint Arceus. D'ailleurs, j'en profite pendant que vous êtes là tous. Le shit, here we go again, là, les commandes. Si vous avez des petits, comme on appelle ça, des soundboards, comme ça, des petits sons que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me les proposer. Moi, je le mets sur une liste. Je vois déjà si je les trouve. Je vois si ça me plaît, si ça correspond à la chaîne, si c'est pas non plus bannable par Twitch. It's Britney Beach. Ça pourrait être marrant. Je vais le noter. Je vais le noter du coup. Pourquoi j'ai pas de ball? Je ne sais pas. Tu les as toutes utilisées, Vrait. Il faut que tu ailles soit dans le petit onglet en bas de mon stream. Si t'es sur PC, t'as la petite page rouge, la Pokémon. Tu vas dans le shop, tu peux t'en acheter. Si t'es sur portable, t'as la petite Pokéball bleue, faut que tu cliques dessus pour l'ouvrir. Et sinon, tu peux aussi dans le chat mettre point d'exclamation Pokéshop, espace Pokéball, espace le chiffre de Pokéball, le nombre de Pokéball que tu veux. Bah, je t'avais dit quelques exemples si t'avais noté. J'en ai un, j'ai le Je veux faire l'amour. Britney Beach. Celui-là, il peut être marrant aussi. Britney. It's Britney, bitch. Moundir, tous des corrompus. Trop fort. Moundir. Corrompu. Mais moi, je veux faire l'amour. Ouais, celui-là, je l'ai noté. J'ai des points d'exclamation amour. Celui-là, je l'ai noté. Vous n'hésitez pas, vous pouvez m'en donner autant que vous voulez, de toute façon je vais pas tous les mettre, mais je peux en mettre beaucoup, donc voilà, quand je referai... Et tu gagnes comment l'argent? Alors il faut soit streamer
simplement avec l'application, comme je suis en train de le faire. Soit tu joues, tout simplement, quand tu envoies une Pokéball, tu gagnes une petite somme que tu aies attrapé ou pas le Pokémon, et tu peux vendre tes Pokémon. Ou alors tu peux faire des combats aussi dans l'arène, tu peux gagner de l'argent comme ça, tu peux vendre les Pokémon que tu as attrapés, etc. Je t'avoue, le meilleur moyen, c'est de streamer. Hein. Je n'ai aucun problème de Pokédollars. J'allais dire Marine Le Pen en mode nique ta mère, mais je pense que c'est pas friendly. Ouais, je pense que c'est pas le must. Voilà, ce genre de truc. Bah, c'est pas que, tu vois, je trouve que c'est pas friendly moi, mais c'est juste que, ouais, allons pas chercher non plus à être vulgaire. Du coup, 25-03, les Zouzous combat multi, je vous attends. Si vous n'êtes pas encore là, c'est pas grave, on attend tout le monde. Mais ouais, cherchons pas la merde non plus. C'est nul de Homer Simpson, ouais, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. C'est nul, Homer Simpson. Nul, point d'exclamation, nul. La chèvre qui hurle. Ah, ça peut être drôle aussi. Chèvre qui hurle. Chèvre. Maintenant, la chèvre qui hurle, on a déjà le chai, mouton. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Lily décidera des règles. Ouais, voilà, on a déjà le chai, mouton. Pub de merde. Mais on est mieux rémunéré maintenant avec les pubs, Brett. Je lui répéterai quand il sera de nouveau là. Maintenant, on est mieux rémunéré. Je crois que j'ai gagné 65 euros de pub le mois dernier, là, en février. Où je revérifie. Et on va mettre le Nord. Non, bah du coup, on va changer puisqu'on est en duo. Allez, Légende du Fléau, je kiffe. Pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est mieux. C'est mieux. Moi, ça me permet de pouvoir en 2-3 mois acheter une nouvelle webcam vraiment HD. 2-3 mois après, pareil, racheter quelque chose au niveau du matos, je peux vraiment améliorer mon stream, quoi. Voir un add-on sur Unity ou sur Unreal quand on commencera Unreal. Enfin voilà, c'est ce genre de truc vraiment cool, quoi. Que je puisse être un peu plus rémunéré. Ouh là là. Ah enfin, la fin des pubs, c'est abusé. Ouais, mais c'est ce que je disais. Ah oui, faut tirer au sort. Alors attendre, attends. Contre qui? Oui, excuse-moi, Moon, excuse-moi. On a Fumas et Houston contre Moon et moi. Fumas, Houston. C'est ce que je disais, ouais, vrai, c'est que maintenant on est mieux rémunéré sur Twitch. Le mois dernier, j'ai fait 60 et quelques euros de pub. Donc, ouais, pub de merde, ok, mais grâce à ça, vous rémunérez quand même pas mal le vidéaste, quoi, le streamer. Non, mais non, je ne vais pas crier. Cher, ouais, c'est pour Combien? les abonnés, cher. Mais comme t'es VIP, t'as tous les VIP à vie, du coup t'es VIP à vie sur la chaîne. Et ouais mon gars, VIP à vie. Brr, brr. Comme Houston, comme Fumas, comme Manu, comme Moon. Utilise tes points de chaîne, Vrait, smash-le ou go Yamshed. J'aime pas quand il y a 5 pubs de 30 secondes chacune. Ouais, pareil. Je préfère quand il y en a une grande, quoi. Je préfère te donner de l'argent en abonnement et ne plus avoir de pub. Je comprends. Je comprends. Mais je crois que les abonnés en ont moins. Hein. Je crois que les abonnés ont pas la pub déjà au début de live. Ils ont pas les pubs. Je crois que vous en avez moins quand vous êtes abonné.
Ouais. J'ai zéro pub, moi, même sur Tel. Ouais, c'est ça, je crois que les abonnés ont pas de pub. Et si vous n'êtes pas abonné, ouais, vous avez 2 minutes de pub toutes les heures, je crois. Je crois que c'est ça. J'ai mis le minimum, en fait, pour toucher de l'argent avec leur nouvelle politique. Mais le moins possible, c'était pas que je voulais moins toucher d'argent, mais pour le moins possible vous emmerder, quoi. Et c'est 2 minutes par heure. C'est 100 € par mois. Bien sûr, il y a un pourcentage pour Twitch. Et si je mets 5 minutes de pub par heure, alors bon, 5 minutes de pub, bonjour, quoi. Mais je gagne 300 € par mois. Si j'ai les 7 boules de cristal, je fais l'unique vœu de ne plus avoir de pub jusqu'à la fin des temps. Tu m'étonnes. Du coup, Moon, c'est moi et Fumas contre toi et Xian. Ouais. Je te l'ai dit, Moon. Même une seconde, c'est trop de pub. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, ouais, voilà. Je fais ça parce que ça me rémunère. Ça me permet d'acheter du meilleur matos. Tout l'argent que je gagne sur Twitch, que ce soit vos abonnements, vos bits. C'est pour atténuer moi mes dépenses. Ah pardon. Tu veux que je stream Dragon Ball après mon live Pokémon? Alors, je suis avec Moon. Qui prendre? On va prendre du lourd. Voilà, on prend du lourd. Non, je vais aller rager sur LOL, mais je reste sur le stream, ça marche. Mais écoute, bonne game, j'espère que tu vas gagner. Du coup, je répète les teams. On a, pour ma part, Carapuce, Guinfrex, Fantominus, Germécla, Kunkwin et Thiboudet. Moon à Charpentier, Tarsal, Guinfrex, Nenupio, Watwat, Arkeomir. Houston, quant à lui, a Zorua18, Miaouz d'Alola, Topico, Evoli, Poussacha, Fennec et Fumas à Moustillon, Bébécaille, Scalpion, Lixi, Pironi et Rhinocorn. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Tu rigoles pas avec mes mates. Ouais. Moi, je connais, hein, ça m'a brisé des amitiés, lol. Barrage en silence, il y en a qui essaieront de dormir après. Éclate le bureau, juste Guinfrex en doublon. Ouais, juste Guinfrex en doublon. On a eu 2 Guinfrex. Je m'attendais à le voir dans plus de teams, honnêtement. Je m'attendais à le voir 3-4 fois. Je pensais qu'il allait presque être dans toutes les teams, Guinfrex. Sincèrement. Ok, c'est parti, Moon. Xian contre Houston, Fumas, Miaouz et Scalpion contre Carapuce et Charpentier. C'est Ipa. La communication en cours. La pression du Scalpion. Va-t-il se passer pour ce premier tour? Qui va avoir la main? Qui va prendre la main? Les joueurs réfléchissent. Et la plénitude du Miaouz. Miaouz qui augmente son attaque spéciale, sa défense spéciale. Peut-être de fer du Scalpion qui fait de gros dégâts. Le mur de fer de Carapuce qui va augmenter énormément sa défense. Et le marteau-point qui va one-shot Scalpion. Mais baisser la vitesse du Charpentier. Il est blessé par le casque brut. Très bien. Un premier tour qui avantage légèrement la team bleue. Pironi qui est envoyé par Negatoma.
La deuxième plénitude du Miaous. Miaous qui va tout simplement tenter de sweep la roue de feu. Qui va pas achever le charpentier, le vibraquois. Qui ne va pas one-shot le Pyrony. L'éboulement. L'éboulement qui va finir de tuer le Pyrony, qui va révéler que ce n'est pas un Miaous d'Alola, mais un Zoroadisui. Moustillon qui est envoyé. Il se passe quoi avec le Miaous là? Alors c'était un Miaous d'Alola, mais en fait c'était pas un Miaous d'Alola, c'était un Zoroa. Parce que c'est un Pokémon qui a la capacité de se transformer en d'autres Pokémon, un peu comme Métamorph. Sauf qu'au lieu de se transformer en le Pokémon qui est en face, il va se transformer en un de tes Pokémon à toi dans ton équipe, le dernier de ton équipe. Le cœur de rancœur qui va achever. One shot même presque le Carapuce, je crois, hein. Non, je sais pas si j'étais full vie. C'est mon Pokémon partenaire, pas de Zoroa, pas de Houston. Oh là là, mob qui nous raid. On est là, on est là. Comment ça va, mob? Merci pour le raid. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Je vais faire le petit SO. Ah, Moon qui fait le petit SO. Mais c'est beau, ça. Tu étais sur Prince of Persia. Eh bien, écoute, j'espère que tu as apprécié. Comment s'est passé ton petit stream, mob? Bienvenue aux Raiders. Ça parle de Monica Bellucci. Ouh, les succubes, Monica Bellucci. On n'est pas beaucoup, mais c'est l'attention qui compte. Mais bien sûr que c'est l'attention qui compte. Mais bien sûr. Bien entendu. Salut à tous. Ah, je suis mort. Je suis mort. J'ai kiffé ce petit Prince of Persia, ça faisait longtemps. Ouais, c'était cool. Je sais même pas si j'ai déjà joué à un seul Prince of Persia. Morsure. Le Zorua de Houston qui tombe, ça y est, enfin. Enfin. Très bon jeu, le dernier, cool. Il connaît pas trop. GG essentiel pour ton level 21. Et GG Vrace et Manu pour votre balignon. Aitodos, j'espère que tout le monde va bien, mais comment ça va, Brahms? Le grand, l'unique, le seul. Ah ouais, mais si je fais ça, c'est un coup dur. Dans tous les cas, c'est un coup dur pour Patrick. Je suis obligé. Oui, ça va, cool. Ouais, voilà, je suis mort. C'était sûr, j'étais mort. Cool, Brahms. La coquille lame. Qui va achever le Goinfrex. Ah là là. Moon et Archeomir, maintenant, compte sur toi, Moon. Enfin, je compte sur toi. Ça va être dur. Exécution. Coquillame. GG Fumas, GG Houston.
GG. Houston qui gagne 2 points. Il est à 8. Moi, 1 point pour cette défaite. Je suis à 6. Fumas qui me rattrape. Moon à 4 points. GG tout le monde en tout cas. Beau match. Oh. Mais. C'est un Pikachu. C'est un Pikachu. On a vu un Pika Pika. Eh. Il y a des Pikachu dans ce live, c'est dingue. Il y a des Pokémon sur ce live. Sur ce live Pokémon. Ouf. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, un Mario. Il a été moins gentil, Mario. C'est fou, hein. Il était moins gentil que Pikachu. Ok, du coup. Second match. Second match, second match. Hop. Second match, on a donc Houston. Houston et Moon contre Fumas et moi. On va prendre. Terrapagos 2. Allez, hop. Donc Moon et Houston contre Fumas et moi. Et donc on aura à la fin Moon et Fumas contre Houston et moi. Donc si je dis pas de bêtises, moi je ne peux plus gagner ce tournoi, ça y est. On va prendre ça. Petit tournoi, donc, ouais, Little Cup ce soir. C'était pour terminer cette saison 2 des Budokai Tenkaichi sur Pokémon. Donc, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Si vous avez une Switch, si vous avez Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, que vous aimez comme ça, les petits events de tournoi, que vous voulez jouer un petit peu stratégie sans forcément vous prendre la tête. À vous inscrire sur des communautés, à jouer avec des énormes tryharders. Vous pouvez venir un lundi sur deux, nous faisons des petits tournois avec des thèmes, comme là ce soir Little Cup, on a fait la tournée des régions, donc des matchs spéciales Kanto, Johto, Hoenn, etc. Et on a fait là les tiers Smogon pour cette saison 2, donc Overused, Never Used, Rarely Used. Et là ce soir, Little Cup. Si je gagne un combat, je gagne d'avance le tournoi, si j'ai bien compris exactement. Là, si tu gagnes, t'as gagné, quoi, en gros. Si tu gagnes, t'as gagné. En même temps, ouais, ce combo Zorua Isui, Miaouz d'Alola, il est dingue. Il est vraiment fort. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc, tu devrais essayer sur Showdown. Donc n'hésitez pas. Ah! On a Moon et Houston qui ont bugué, j'ai l'impression. On va recommencer, c'est pas grave. 25-03. C'est Moon. C'est possible. De toute façon, on sait jamais avec. C'est des serveurs Nintendo, hein. Je pense qu'ils sont pourris.
Parce qu'on le voit quand on joue le vendredi, Moon elle a pas de problème de co. Quand on joue à Smash Bros, elle a pas de problème de co. J'ai un double combo Miaou Zorua et Fennec Zorua, ouais. Non mais dans tous les cas, ton combo est cool. Ton combo est cool. Zorua, ça a l'air d'être fort en Little Cup. Hop, hop. Moi, j'ai pas vraiment pensé à une strat. Je suis venu un peu avec les Pokémon que j'aime. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait de fort en Little Cup, ce qui était joué. J'ai regardé ce que j'aimais. Parce que j'aime pas jouer des Pokémon que j'aime pas, quoi. Alors, j'ai deux fois mon onglet d'ouvert, puisque ceux que je lurk sont venus, c'est mes petits raiders. Mes petits raiders. Vous êtes des monstres, merci encore ceux qui m'ont raid mob et Lilo. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Bah, j'ai pensé à aucune strat, moi. Juste jouer Zoroark en principal, mais c'est un peu Miaouss qui dépasse. Ouais, non, mais ton Miaouss, c'est abusé. Du coup, je jouais quoi, moi? Je jouais ça. Ok, je jouais ça. Bah donc, Fuma, c'est moi contre Houston et Moon. Fuma, je le rappelle, qui a Moustillon, Bébécaille, Scalpion, Lixi, Pyronie et Rhinocorne. Pour ce qui est de Houston, il a Zorua d'Issui, Miaouss d'Alola, Topico, Evoli, Poussacha, Fennec. L'équipe. Un petit peu féline, un petit peu renardine, et pas grenadine. Moon qui a Charpentis, Tarsal, Goinfrex, Nénupio, Watwat et Archéomyr. Et moi qui ai Carapuce, Goinfrex, Fantominus, Germéclat, Chaofouine et Thiboudet. On le voit effectivement, il y a Goinfrex en double, mais il n'y a pas de double. Tout le monde a des équipes plutôt originales. Un Pokémon haut quand même dans chaque équipe, on le voit. Pas forcément un Pokémon spectre. On a des Pokémon combat dans chaque équipe. Non, pas dans celle de Houston. Renardine, où est Goupix, banlist. Où est Goupiou? Pas présent sur. Ouais. Non, le renard de Galar n'y est pas, et Goupix effectivement est sur la banlist. Écoute, je ne sais pas. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi il est ban. Sûrement trop fort. Non, il serait pas ban. C'est parti cette fois-ci. Deuxième match de cette deuxième manche. Moon, Yustan contre Fumas et moi, Tarsa, les Poussachas qui sont envoyés, Thiboudet et Bébécaille de l'autre côté. Dur. Dur comme open pour moi. Fumas qui retire Bébécaille, qui envoie Scalpion Shiny, qui exerce sa pression. Thiboudet qui est aussi retiré, qui est remplacé par Fantominus, le rarissime. Terra Cristallisation pour Moon sur le Tarsal. Quel type? Type fée. Tarsal, Terra Cristal fée. Une de mes récompenses tant que j'y pense. Canon graine qui va faire d'énormes dégâts alors que c'est pas très efficace. Le Vampi baiser du Tarsal. Il va faire de bons dégâts sur le Scorpion. Hein. Qui va être blessé par le casque brut. C'est dur.
la bombe acide du Fantominus qui va one-shot le Poussacha. La tête de fer du Scalpion qui va one-shot le Tarsal. Ça y est, l'équipe blanche qui se reprend après ce switch, après cet open un petit peu difficile. Miaous qui est envoyé. Nénupio de l'autre côté. Rien n'est joué, rien n'est encore joué. Le tonnerre du Miaous qui va achever Fantominus. Non, qui va achever le Scalpion. Très bien. La bombe acide qui va one-shot le Nénupio. Fantominus qui perd quelques PV à cause de son orbe vie. Qui va être appelé par Moon, qui va être appelé par Fumas. Bébé Kai qui est envoyé par Fumas. Wat Wat qui est envoyé par Moon. On va voir si ça va marcher. Je pense. Un Shenity sauvage sur le live. Mais non. Mais non. Le match était trop beau. Garage kit. Personne. J'ai ma console qui s'est éteinte. Mais non. T'as plus de batterie? Faut la charger. Bah oui. Ah là là, mais non. Bon, on va refaire. Reprenez exactement. Ouais, j'ai pas vu, je sais pas. Il y a un truc, ça s'appelle un chargeur. Tu peux même le mettre quand tu joues. Oui, bah ouais, faut être. Faut que tu vois. Hein. Je suis vigilant. Oh non. Non. Ah. Je ne suis pas mort. Je suis encore là. Bon, on va refaire le match. On va attendre Moon. On va refaire le match. Rah, relou. Comment ça, on n'a pas attrapé un Shenity, genre? Ouais. Ça aussi, ça charge et ça explose. Ah, j'explosais. J'ai explosé. Est-ce qu'on serait capable de refaire exactement le même match là? Est-ce qu'on serait capable en mode chorégraphie de refaire tous les moves qu'on a fait? Désolé, t'excuses pas Moon, ça arrive, c'est pas grave, on te charrie. Mais ça arrive. C'est pas grave. On peut tenter, mais si le axe tombe, au moins on aura essayé vraiment d'être authentique, tu vois, et d'être authentique, quoi. Non, mais relou, oh, bah, c'est pas grave, écoute. Ça arrive. C'est tout toi, ça, de toute façon.
C'est tout toi, Samoun. C'est bon. J'aurais fait la même pour le chargeur. Allez, on relance. Mais moi, j'ai une excuse. Moi, j'ai une excuse. Je suis blonde. Ben, Moon aussi. Ceci explique cela, tu vois, Manu. Ah bah ça va alors, bah voilà. Ceci explique cela. Moon, c'est tout moi ? Eh bah je go allumer la salle de bain. Je vais couper ton écran. Tout s'explique. Mais oui, tout était lié en fait, depuis le début. Il y a Essential qui s'est mis en live. Hop, on va aller le lurk. Là, on lurk notre petit Houston. N'hésitez pas d'ailleurs à aller follow notre Houston au rose, notre Houston national. Il est à 13 follow de devenir affiliate. La reine des courts-circuits hardcore. Hardcore. La panique l'autre fois, l'ordi qui s'allume plus, quoi. Donc je vous attends 25-03, n'oubliez pas d'être en mode en ligne, bien entendu. Combat multi. C'est vrai ça, pourquoi vous y avez pas pensé les autres à lui dire de brancher sa Switch? Bah ouais, on aurait dû. Franchement on n'est pas consciencieux, on n'est pas des bons mates. On lui a pas dit d'aller brancher sa Switch. Je savais bien que j'avais oublié de lui dire quelque chose. Moi, je suis sous doc, je connais pas ça. C'est quoi comme drogue, ça? C'est une nouvelle drogue? Moi, je suis sous doc. Le jeu est only Switch ou il y a une version PC? Only Switch, malheureusement, mob. Comme beaucoup trop de jeux Nintendo. J'avoue, j'ai paniqué. Doc? Pas compris. Et une version PC, mais pas legit. Oui, bah ça... Donc on va essayer de faire la chorégraphie, d'accord? Essayez de refaire move par move ce que vous faites. Parce que vous avez fait là le match précédent, s'il vous plaît. Essayez. Si on se trompe un peu, c'est pas grave, mais qu'on essaye d'avoir à peu près le même résultat. Suivez les pas de danse, exactement. Exactement. Change le titre, c'est Just Dance maintenant, et c'est ça, on va changer la catégorie. On va se mettre en Just Dance. Édition Pokémon. Alors, j'avais pris ça. Essayons de refaire les mêmes moves. Donc à l'open, j'envoie moi mon petit boudet, Fuma s'envoyait bébé Kai. On switch. C'est ça. Hein. Moi, Poussacha, j'utilise Canon Grain sur Fantominus. Ok, c'est ça. Moi, je switch sur Fantominus. Après, j'utilise mon attaque poison, la bombe acide, sur ton Poussacha qui se fait one-shot. Puis Moon Terrafé. C'est ça. Fou rire, la façon de jouer, trop marrant. Vampi baiser sur mon scalpion. La Pokéstarat Academy, c'est trop ça. Ok.
C'est comme l'émission de Phil Drong, la danse avec les strats. C'est la même chose. Du coup, je switch sur mon Phantominus. Et action. Phantominus le rarissime. Moteur et action. Exactement. Ok, Terra Crystal fait. Le canon graine. Qui fait des gros dégâts. Vampy baiser sur Scalpion. Ok, qui fait des bons dégâts aussi. C'était ça. Le casque brut. Après, moi, je fais bombe acide sur Poussacha. Le Fumas qui fait une attaque acier sur le Tarsal. Ça one shot. C'est là où je commence à plus me rappeler. Là, j'ai fait bombe acide sur Nénupio. Moi, je tonnerre Scalpion et après, c'est le tour normal. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait bombe acide sur Nénupio. On se retrouve face à face. Les deux Pokémon de Moon et de Fumas sont morts. Et après, c'est effectivement, on revient au match. Ok. Et ouais, je croyais que même que t'avais achevé le Phantominus à ce moment-là, je me rappelle. Ok. Bien. Eh bien, nous revenons au match, ça y est. Nous sommes de nouveau dans le tournoi, dans le Budokai Tenkaichi, ça y est. Moon a son chargeur. Moi aussi, sinon, serait coupé. Sous chargeur, la Moon. Sous chargeur, la Moon. Bébécaille qui est envoyé par Fumas. Branché. Wat Wat qui est envoyé par Moon. T'as mis le défibrillateur. Le défibrillateur. Dangereux, t'es dangereux, Yustan, de donner des conseils comme ça. Ah, j'ai pas mis la prédiction, je suis nul. C'est un peu tard. Premier tour, je l'aurais mis, mais alors là, bon, c'est biaisé, tout le monde va mettre Houston. Ouh, le vibre obscur. La dracogriffe. Fait de gros dégâts à l'éclair, qui n'affecte pas Thiboudet. Qui sait, peut-être qu'avec un défibrillateur, la Switch est instant chargée à 100%. Je mettrai pas ma main à couper. Le vibre obscur qui va achever le bébé Kai. Le double pied qui va achever le Miaous. Miaous d'Alola. Touché une fois. Le bélier. L'endurance de Thiboudet qui augmente.
Attention. On a une coupure internet de 1 minute franc à parler. Bizarre, il est pas en game lol. Si. Ça se trouve, il a pas été déco. Fennec le motivé est envoyé. Moustillon est envoyé par Fumas. Il a acheté son PC, peut-être, c'est ça. Ah oui, c'est ça le bruit dehors. Ah, c'était ça le gigaboom. C'était ça les bruits de glace. Et c'est la terracristallisation de type psy pour le Fennec de Houston. Le choc psy. Tu le tiboudais. Qui fait de bons dégâts mais qui va augmenter la défense. Fennec qui a volé les restes du tiboudet. La coquille lame qui va faire de bons dégâts. Hein. La tombe roche qui va achever. Malheureusement, le Fennec qui n'est plus. Imagine, il achetait le mien, le sien est trop cher. Oh non! C'est pour ça le problème de communication du combat Pokémon, mais oui! C'est les serveurs Arc. Ils ont bugué, ça a tout fait bugger. Moon qui se retrouve seul contre Fumas et moi. Ça a l'air plutôt bien parti pour nous. Je vais faire une prédit. La coquille lame. Vu le score, là, je vais faire une prédit. 8 points. Là, tout peut arriver. Du coup, je vais faire une prédit. On va prédire qui jouer avec les mêmes règles. Du coup, là, c'est Fumas et Moon contre Houston et moi, c'est ça. On va se faire une petite prédit, on va faire jouer tout le monde. Qui va remporter ce match? Est-ce Houston et Shian ou est-ce Fumas? Fumas et Moon. Allez, vous avez 5 minutes. Hop! Prédiction en cours. Vous avez 5 minutes. Pour miser vos petits points de chaîne, c'est le moment. Qui va gagner le prochain match, le dernier match, le match crucial? Est-ce que c'est Moon et Fumas? Ou est-ce que c'est Houston et moi? Et Chaminus. Vous pouvez jouer l'outsider, vous pouvez miser et essayer de gagner un peu moins, mais voilà, gagner les points de l'autre équipe, en tout cas. Allez-y, vous pouvez prédire. On est quoi? 1030 contre 60. J'ai peut-être misé un peu gros, bah écoute. N'hésitez pas à miser, même si c'est une petite centaine. Vous pouvez choisir un montant hein, spécialisé, vous n'êtes pas obligé de les mettre 10 par 10, vous pouvez choisir un montant. Je vois le score monter 10 par 10, c'est ce que je faisais aussi au début. Et vous avez une petite case pour écrire votre montant. J'ai misé toi et Houston, car je pense Moon n'a pas mis le chargeur dans la prise, c'est du vécu pour moi. Ouh, attention, on a eu un 2100 pour Fumas et Moon.
Sûrement ça vient de Moon ou de Fumas, peut-être qu'ils misent pour eux-mêmes. On sait jamais, ça peut justement peut-être vous motiver. En tout cas, si je gagne avec Houston, c'est Houston qui remporte ce tournoi. Si c'est Fumas et Moon qui gagnent ce match, Houston et Fumas seront à égalité, gagnants tous les deux. Non, du tout. Ah, on voit Moon, elle est team 2. Le chargeur va suivre Moon jusqu'à sa tombe. Houston, Manu, team 1. Moon qui est team 2. Allez, il reste que 2 minutes 30. Un peu plus. J'attends encore une petite minute ou deux. Et puis, on lance le dernier match. Faites vos pronostics, faites vos paris. On est à 3372 contre 2110 points. J'ai prono, non? Je sais pas comment on vérifie. Normalement, ça t'indique... Ah, si t'as prono. Tu es team 1. C'est stylé ce système de paris, ouais c'est vachement cool, parce que tu gagnes après des points et tu peux justement jouer les petites animations Smash Bros que je mets sur la chaîne, ce genre de choses. Du coup voilà, ça permet de gamble, c'est cool de gamble. On aime bien mettre des petits jetons à des endroits. 4000, ouh, Fumas et Moon qui partent en favoris. 3372 points pour Houston et moi. Contre 4110 points pour Fumas et Moon. Je vois échec du chargement par contre. Ah, pour le pari, j'ai mis intelligence artificielle. Gambelu. Ah, vous avez échec du chargement. Shovel shit. Ah, je sais pas. Moi, je peux pas miser, du coup, je peux pas vous dire. J'ai pas le droit de miser sur mes propres paris. Ok, ça va bientôt être fini. N'hésitez pas à mettre un petit peu de vos points, si ce n'est pas déjà fait. Vous n'êtes pas tous peut-être ultra riches en points. Ça va bientôt être terminé, donc. Fumas et Moon qui sont favoris. Hein. Fumas et Moon qui ont 4110 points misés sur eux. Contre 3372 pour Houston et moi. Allez, plus que quelques secondes, si vous voulez parier, c'est maintenant. Je m'amuse avec mon visage VTuber en attendant. Ouais, je vois ça. Attention, c'est bientôt fini. On va partir en match. Houston et moi contre Fumas et Moon. C'est validé. Ça y est, la prédiction est validée. On verra ça juste avant le raid. Non, ça, ce serait un bon trio, je pense. Ça sera un bon trio. Et je répète une dernière fois, on a pour l'équipe de Houston, Zoroi, Dissui, Miaouz, Dalola, Topico, Evoli, Poussacha, Fennec. Pour l'équipe de Fumas, on avait Moustillon, BBK, Escalpion, Lixi, Pyroni et Rhinocorn. Pour l'équipe de Moon, on avait Charpenti, Tarsal, Guinfrex, Nenupio, Watwat, Archeomir. Et pour mon équipe, on avait Carapuce, Guinfrex, Fantominus, Germecla, Kung Fuin et Thiboudet. Plutôt diversifié comme équipe ce soir. On a que Guinfrex qui revient en double. Donc dans l'équipe de Moon et dans mon équipe aussi. Je pensais qu'on le verrait plus. Je pensais qu'il y aurait plus de doubles et finalement non. Franchement les équipes sont assez uniques. C'est vachement cool. Et GG pour Fumas ton level 103. Et GG Braids pour ton level 19. Petit feu follet de level 19. Ça y est, ça commence. Bientôt level 20. Je me suis fail d'ordre, mais ça changera pas grand-chose, je pense. Ah. On va voir.
Level 103 Fumas, énorme. Germekla et Miaous qui sont envoyés face à Charpentier et Lixi. Lixi qui vole. Il vole grâce à son ballon. Donc je le répète, si Yustan gagne avec moi, c'est lui qui gagnera le tournoi. J'arriverai en deuxième position. Fumas en troisième et Moon en dernière. Si c'est Moon et Fumas qui gagnent, Fumas et Yustan arriveront égalité avec 10 points. Je serai deuxième, troisième. Et Moon sera dernière dans tous les cas. Malheureusement, elle a perdu pour l'instant ses 5 matchs. En tout cas, c'est la Terra Cristallisation pour le Charpentier. Terra Cristallisation de type combat. C'est la Plénitude. Plénitude. Yustan qui se fait dévoiler son Zoroi d'Isui. Le piège de roc qui va être placé par le Germekla. Le marteau-point qui ne va pas passer le Charpentier malheureusement. Charpentier qui n'avait pas compris que c'était un leurre, que ce n'était pas un Miaous. Le cœur de rancœur, il va faire de gros dégâts, mais ça ne va pas suffire à tuer le Charpentier. La mâchouille qui va achever le Yustan de Yustan. Le Zoroa de Yustan. Le tir debout. Ah, le tir debout qui n'affecte pas Lixi, puisqu'effectivement, il a un ballon. J'avais omis ce petit détail. Le dépôt toxique qui va faire tomber les pics toxiques. Une première rangée. Miaous, cette fois, qui est vraiment envoyé. J'avais complètement oublié le ballon du Lixi. Très léger avantage pour l'équipe de Fumas et Moon. On va voir comment les pics toxiques sont accueillis dans leur équipe. Le Vibre Obscur qui va faire de bons dégâts au Lixi. Hein. Le ballon qui va éclater. L'éclair fou. Le Lixi qui va se suicider sur le Germekla qui va faire tomber quant à lui la deuxième rangée de pics toxiques. Lixi qui est blessé par le contre-coup qui va tomber KO bien entendu. Le marteau-point, c'était attendu du Charpentier qui devrait achever le Miaous. Oui. Il va achever le Miaous. Double stab. Double stab pour la Terra de type combat. C'est pas étonnant. Topico, le matinal qui est envoyé par Yustan. Scalpion par Fumas. Et Fantominus par moi-même. La pression du Scalpion. Je peux rien faire. I can't do a thing. Les adversaires se jaugent du regard. Que va-t-il se passer? Tout est possible encore. La Terra Cristallisation du Topico. De type sol. C'est intéressant ce design. Le Kétisol du Topico. La Lévitation du Fantominus. Qui fait le café, qui fait le taf. Super efficace sur Scalpion, c'est très bien. Sa vitesse qui descend, c'est très bien. Le Charpentier, ça y est, qui tombe KO. C'est fini la Terra Cristallisation pour Moon. Le vent glace qui ne va pas tuer. Ouh, la vitesse qui va encore baisser du Scalpion, hein, décidément. Le Scalpion
qui attaquera de toute façon en dernier et qui va one-shot le Fantominus quasiment. En tout cas, je ne sais pas si ça aurait one-shot. Mais avec les dégâts de l'Orbe Vie, ça suffit. Le Charpentier n'est plus là, le Goinfrex peut sortir. Goinfrex l'opportuniste. Goinfrex aussi pour Moon. Sauf que celui-ci est empoisonné. Est-ce que le poison va finalement faire l'affaire? Non, pas eu de coupure internet. Ah. Et oui, j'ai win. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. On aime les joueurs comme ça. L'aquajet du Topico qui va achever le Scalpion. Il est blessé par le casque brut. Le canon graine. Qui va achever Topico. Dur. Complexe. Je ne sais pas si Houston avait encore des Pokémon. Bon bah c'est à toi de jouer. Heureusement qu'il y a le poison. Ah ! Fumas envoie Moustillon. Ok, heureusement qu'il y a les pics toxiques. Hein. Heureusement. On donne tout, Houston, on donne tout. Je vais te faire gagner ce tournoi, moi. Terra cristal normal pour le Goinfrex. Double plaquage. Oh non. Le axe. Non, le plaquage qui passe. Oui. Faut pas que je me fasse axe. Non, il y a Archéomir. Oh ouais, c'est mort. C'est mort, j'ai perdu Houston. Bon bah adieu mes points, ouais je pense que là... Oh, Terra Crystal. Fumasque Terra Crystal. Type O. Ouh la coquille là, elle va faire mal. Bon bah adieu mes points. La coquille lame. Ouh elle tue pas. Le représailles. Ouh qui tue pas. Vas-y Goinfrex, vas-y. Le Goinfrex. Oh. Mais non. Oh mais tu peux tanker derrière. Bah non, l'Archéomir. Ah non. Ah GG. Franchement GG. GG Fumas, GG Moon. Franchement victoire méritée. Oh là 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 là. Oh, je suis dégoûté, j'étais tellement proche. Si près du but. Bon, ben Fumas, 2 points. Moi je gagne 1 point comme Houston et Moon 2 points. On a donc une égalité, Houston et Fumas qui remportent tous les deux ce tournoi. Voilà, on a deux gagnants. Est-ce que ça vaut pas mieux qu'un seul? Franchement. Et donc la réponse était bien Fumas et Moon qui remportent ce match.
GG. Résultat des prédictions, Fumas et Moon qui ont remporté le match. Voyons les détails. 7482 points pour Moon. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, bah, comme Fumas est égalité avec moi, je considère qu'il gagne le tournoi, donc ça récompense. Sauf que si tu veux un combat final, moi versus Fumas, vu que je live, tu peux voir le match. Alors, on peut dire d'ores et déjà que Fumas a gagné la récompense, parce que de toute façon, tu vas la donner à quelqu'un, tu vas pas la garder pour toi, j'imagine. La récompense, tu la farmes pour quelqu'un. Donc, on va dire que Fumas, il gagne la récompense. Par contre, on peut faire effectivement un match Fumas contre toi. Moi, je le commente via ton live pour voir qui est le vrai vainqueur. Comme il est 23h, qu'il est encore tôt, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beau. C'est beau, GG, GG la team 2 du coup. Vous avez gagné les points. Vous avez volé les points de la team 1 parce que vous avez voté pour vous. Vous avez fait le match et vous avez été récompensé. Fumas, ça te va? Écoute. Est-ce qu'on peut le faire en duo, par exemple, Matt? Parce que vous êtes déjà battu en solo. Vous pouvez le faire en duo, ça peut être rigolo. Ah, j'ai mon nez qui me pique. GG Moon pour ton level 101. Combat duo, allez. Ça peut être sympa. Vous avez déjà fait un match, c'est pour ça que je dis ça, quoi. Alors attendez, je vais inverser mon OBS et mon Google. On va se mettre en React. Hop, je remets le son. Je baisse le son un petit peu. Voilà. Parfait. Bon, en tout cas, GG Fumas et GG Houston, vous avez gagné quand même. Vous êtes les gagnants de ce tournoi. GG vous deux. Allez, combat duo, c'est parti. GG Moon aussi, hein. GG Moon. C'est parti pour le combat duo. Ce que ta team fait à l'arrache, franchement, elle a tenu, hein. Là, pour le dernier match. Alors, Gamine t'as une suggestion de musique? Tu peux la faire parvenir à moi, Xian. et Gatoma. Oh oh Lugia, si t'as. Allez, oh oh Lugia. Il y Je te aura un laisse faire la décalage, hein, musique, entre Xian. nous deux. Ouais. Non, c'est vrai, Moon, c'est vrai. Comme j'ai les musiques que t'as pas. Oh oh ou Lugia. Du genre Si tu les m'entends. musiques Entei, Suikun et tout. Oh oh, oh oh. Oh oh, elle est trop cool. Oh Lugia, tu choisis Oh ou Lugia. Oh oh. Oh oh. Ouais, non, Ah, franchement, pardon, Moon, t'as t'as un bien petit joué, t'as décalage, bien je sais joué. pas si c'est par rapport à moi. L'équipe était faite à l'arrache, on a fait ça vite fait cette nuit en 2-2, avec ce que t'avais, il n'y a pas les EV, il n'y a pas les IV. Parce que c'est faut le dire aussi, Moon, son équipe, elle n'a pas d'EV, pas d'IV, elle a des techniques faites à l'arrache, elle n'a pas toujours les bonnes natures. Oh, allez, oh. Oh. Même si de toute façon, Houston, on n'entend pas ta musique, hein. Moi, j'entends pas ton son de Pokémon. Je t'entends toi? Toi, ça va, je t'entends. Mais Pokémon, j'entends pas. Mais oui, Moon, tu te rattraperas, t'inquiète pas, il y aura d'autres thèmes. Alors, on va pas tirer ça au sort ce soir. Je vous ferai un tirage au sort hors caméra, je le posterai sur Discord, vous en faites pas. C'est bizarre parce que j'ai quand même augmenté le son. Je sais pas si c'est le son. J'ai essayé avec OBS d'augmenter le son, mais ça a pas l'air de vouloir augmenter. Je vais réessayer vite fait. Paramètres. Parce que ton son micro, là, je sais pas si comment ça se passe dans le. Alors. Dans moi, mon retour de live, mais moi, dans mon casque, je l'entends bien, Houston.
Mais Non, par t'as contre, j'ai pas le son du peut-être jeu. pas tellement en son. J'ai beau essayer de monter. Là, j'ai monté à 150% le son. Hein. Oh, on n'entend rien. Tant pis. Tant pis, ça sera un petit peu plat au niveau du son. Du coup, on a BBK et Scalpion chez Fumas. Et Miaouss, Fennec chez Houston. Est-ce qu'il y avait un Zorua? J'ai pas Pourtant, vu mon son, je justement. l'entends bien, J'étais en c'est pas train un de me problème. préoccuper Et du son. comme j'ai dit, j'ai monté le son de la Switch par rapport à OBS à 150% au lieu Ouais, de là, on 100. n'entend pas. Voilà, Houston, si tu m'écoutes, on n'entend pas bien ton son. On l'entend de très loin. Ça doit être un autre paramètre. Le feu envieux, donc non, ça a l'air d'être justement d'être Zorua. Le tranche-nuit qui va one-shot du coup le Zorua. Justin qui est démasqué. Ah, ça c'est la question. Le lance-flamme qui va achever Scalpion. BBK est toujours là. Qu'est-ce qu'il va faire? Dracogriff. Mais c'est bizarre. Attends. Le magicien qui a volé le casque brut, ça c'est J'ai bien. réessayé encore une fois, Oui, mais. Dracogriff, qui va presque one shot, hein. La Dracogriff, qui va envoyer Yustan, le Poussachat, très bien. Poussachat qui va avoir câlinerie, effectivement, pour se débarrasser du bébé Kai. Rhinocorne, ah, ça va être difficile. Le Fennec va y passer, très certainement. Non, je peux pas faire ça, juste faire ça. Ah, il faut se débarrasser du bébé Kai qui va faire vraiment trop de dégâts. Le Rhinocorne qui peut aussi faire des gros dégâts, mais il peut être géré facilement par le Poussachat. Alors. La câlinerie qui ne va pas Oh, genre, il achever. se débarrasse pas de ça. Qui ne va Honteux. pas C'est achever. honteux. Le Choc Psy, malheureusement, Choc Psy, c'est un petit peu à double tranchant. Hein. Ah, le tunnelier qui va tuer, bien sûr. Bon, bah lui, Choc au Psy, moins. c'est un peu à double tranchant parce que bah, si en face, il a effectivement une moins bonne défense spéciale, bah, c'est nul parce que bah, autant jouer sur la faiblesse Alors. du Pokémon. On va sortir le Pokémon de panier. Hein. Et souvent, je sais pas pourquoi là, en tout cas sur ce tournoi, Fennec s'est beaucoup retrouvé contre des Pokémon plutôt physiques au niveau défense, du coup ça l'a pas du Alors, le tout aidé. Pokémon de panier, Itou. Ok, on a le canon graine sur le Rhinocorne. Ça devrait tuer, hein, bien sûr. x4. Stabé. La voix envoûtante. Oh, il a anti-bruit, j'avais zappé, j'avais Anti-bruit du oublié. BBK et l'erreur. La Dracogriff qui va achever J'avais complètement zappé Poussachat. anti-bruit. L'erreur. Bon move ça de la part de Fumas d'avoir mis anti-bruit. On a Miaouss qui arrive sur le terrain. Pyronil que Fumas n'a pas pu bien servir dans ce tournoi. Du coup, bah, l'anti-bruit qui empêche la voix envoûtante de passer, obligé de faire une balle ombre. Terra Cristal Poison sur Pyronil. Terra Bon, Cristal d'accord. Poison sur Pyronil. Très étrange. C'est pour éviter certainement la faiblesse insecte. Est-ce que c'est le bon moment? Terra Explosion tout de suite. Est-ce que ça va one shot? Je ne suis pas sûr. Non. Le bourdon qui malheureusement va pas faire énormément de dégâts, ça aurait largement one shot. Merci pour la vitesse. La balle ombre qui va tuer le bébé Kai. Malheureusement, mauvais tour pour Fumas. Fumas qui a pas su reprendre le memento, c'est dommage. Parce que là, le coup de l'anti-bruit était parfait. Malheureusement, le Pyronil, c'était peut-être
pas la meilleure idée. Maintenant, je pense pas qu'il ait non plus 26 000 options derrière. Alors ouais, on va juste faire ça, je pense. Ah, attends, non, je me suis pris. On va faire... Ah non, non, ouais, ça Ça marche va être pas. compliqué pour Fumas là de remonter Bon, on la va juste pente. balancer... Malheureusement, le Miaouss, c'est un mur. Ouais, on va juste En balancer plus, un sort maintenant, de il est Terra Poison. Poison. Fumas a plus grand chose pour contrer Bah, ça ça. marche pas. Du tout, un Terra Explosion. Deux Terra Explosion, du coup. C'est parti. En plus, il est rapide. Malheureusement. Oh, mais ça tente. Ouh! Ceinture force? Ah non, c'est ballon. Le ballon qui a éclaté, la roue de feu. Qui ne va pas tuer du tout, hein. L'éclair fou qui va achever le Miaouss. Ouh, il y a peut-être une chance alors. Il y a peut-être une chance. Le Lixi va mourir, bien sûr. Le Lixi Non, va c'est pas un mur, mourir. Miaouss. C'est Evoli qui est un mur. Evoli est full défense, défense P avec veste de combat. Ah. Le Terra Explosion qui va achever le Pyronie. Il va rester qu'un seul Pokémon à Fumage, je crois que c'est Moustillon. On ne l'a pas vu son Moustillon. Ah, c'est un avantage du coup. Topico qui va résister à Moustillon. C'est ça, c'est Moustillon. Moustillon qui va peut-être pouvoir one-shot Evoli. C'est Alors. possible, c'est pas impossible en tout cas qu'il le one-shot. La Terra a été utilisée des deux côtés, hein, si je dis pas de C'est bêtises. exécution. GG. Ah, on a un petit décalage du coup. La Coquillame qui va pas tuer, Désolé, malheureusement. c'est C'était sa GG dernière Fumas. option. C'était sa dernière issue de tuer. Peut-être que ça aurait Bien joué. permis, mais non, même pas l'exécution tuer. Hein. GG, GG Fumas, beau match en empêche, on voit vraiment que c'était serré hein, ce tournoi. GG. Je crois que lui, il a pas utilisé sa terre Fumas. Ah, est-ce que Fumas, tu n'as pas utilisé ta Terra? Parce que là, tu aurais peut-être pu utiliser à la fin pour tuer les Evoli. Peut-être. Après, là, on parle, on suppute. Nope. Tu l'avais bien utilisé? Alors attendez, je vais réinverser mes fenêtres. On va faire nos petits photos souvenirs, nos petites photos souvenirs. Je vais vous inviter là. Et un club. Bon, moi gigot à plus et bonne nuit, ça marche Brett, mais merci d'être passé en tout cas, merci beaucoup. Des bisous, des bisettes. Bon courage à toi si tu bosses demain. Puis prends soin de toi surtout. À utiliser, mais j'aurai one shot et volley. Ouais, du coup. Pas de soucis, merci toi aussi, yes. Bisous, bisettes. J'attends donc les duellistes. À plus, Brett, yes, à plus. Tu sais que t'es toujours bienvenu ici. J'attends les duellistes hein, pour les petites photos souvenirs. RSFBC5, le code, c'est inscrit à l'écran. Viendez. Donc Yustan, grand champion de ce tournoi. Même si au niveau des scores, égalité avec Fumas. Bon voilà, on a départagé. C'est quand même Yustan qui l'emporte. C'est beau. C'est beau, c'est pas volé, c'est mérité. Vous aviez tous deux de très belles teams. Du coup, j'ai deux récompenses à donner à Fumas pour ce tournoi et Shian pour le tournoi d'il y a 2 semaines. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas eu ma récompense. Ok, partir à l'aventure. Bravo Yustan, Fumas. Ouais. GG vous deux, franchement. C'est vrai ça. Thanks, Brahms. Il y a plein de fair play dans ce chat, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi.
On est où? Non mais on est où là? Allez, je participe à l'échange. Moi, je participe à l'échange, moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai à te donner? Allez, je t'envoie Vrombi. Waouh! 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 Le Gigancel Shiny! Ah là là, je vais pouvoir vous troller avec classe. J'ai pas touché aux EV et nature pour les deux Poké pour Shian car je connais pas son build et Fumas parce que le Poké est particulier. Très bien. C'est pas grave, je referai le même build que sur mon premier. Il est dégoûté beauté. Il est dégoûté beauté. Eh, tu te calmes mon chat. Tu te calmes. Du coup, un Gigancel Shiny avec l'insigne Destin dans une niveau ball. Et merci Random Guy. Bienvenue dans le crew. Merci pour le follow. Bah merci beaucoup Houston. Tu régales. Tu régales. Lucifer, tu t'arrêtes. Tu régales. Bon, on est d'accord, c'est mon petit boudet hein, qui a fait le taf aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, Random Guy. N'hésite pas à parler dans le chat. Hein. N'hésite pas à te faire connaître, à nous dire comment t'es tombé ici, qu'est-ce qui t'amène, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie. En la vida. Et pour Fumas, un Evoli Shiny. Oh là là, Fumas. Fumas qui reçoit un Evoli Shiny. C'est pas beau ça. Oh! Son Pokémon préféré, oh là là, je suis content pour toi, gros. Je suis content pour toi. Son Poké préf, comme ça, surprise. Bon, entre le Scalpion Shiny, le Salamèche Shiny et le Evoli Shiny, bientôt tu pourras faire une équipe Little Cup Shiny, quoi. Ou Shiny. Comme ça, il peut choisir son évolution. Merci, Houston. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais le noter. Tout shiny aussi, je vais le mettre dans les soundboards. Tout shiny. What? D'ailleurs, je vais faire un petit SO à Houston. Pour son aide, pour la commu. Allez le rejoindre. Voilà, c'est un petit streamer Dragon Ball Breakers. Il stream aussi souvent les petits events qu'on fait sur la chaîne. Et puis surtout, il aide beaucoup dans la commu. Il aide beaucoup comme ce soir, il nous chasse les shinies, donc n'hésitez pas, allez le follow, lui donner de la force. Je sais pas si je mets Zoroa ou Miaouss en avant. Moi je te dirais Miaouss, hein, c'est lui qui a fait le café, mais... Beep.
Moi, je dirais Miaous. Miaous, il a vraiment fait le café. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Le pauvre moustillon, il est dans les hautes herbes. C'est l'heure des selfies de Gami. Eh oui. J'aime bien ce petit rituel qu'on a là de faire les photos, je trouve ça rigolo. Puis on garde un souvenir, on garde une trace. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une petite vidéo. Après, vous vous doutez, j'ai quand même des trucs plus importants à faire que des petites vidéos compiles. Mais c'est un petit truc que je ferai quand j'aurai l'occasion, quand j'aurai plus trop de travail là, prochainement en avril. Je pense que c'est ce que je ferai. Je ferai une petite vidéo best-of. Je ferai un petit truc. On essaiera de faire un truc cool qui me prend pas trop de temps. D'ailleurs, Oshimago sera sûrement retardé au mois de mai parce qu'avec les délais, Steam, etc., voilà, il y aura sûrement du décalage. Du coup, je vais le décaler fin mai. Il sortira peut-être avant, mais je vais le décaler fin mai. Et quand il sera prêt à sortir, il sera en accès anticipé déjà. J'ai pris cette décision, vous le savez, de ne pas le terminer avant d'envoyer. Il sortira pas fini, entre guillemets. Trop cool. Trop cool. Vraiment cool. Attendez, je vais changer de poké. Mon carapuce. Bon, il a pas trop servi mon carapuce. J'ai pas réussi à le placer comme je voulais. Peut-être on peut changer d'angle si vous voulez. Voilà, comme ça si vous voulez. Bah, je te vois pas, Fumas. Faudrait que tu te mettes derrière Carapuce et Moustillon. Ouais, voilà. Voilà, tu peux taper la pause. Qu'est-ce que je mets comme filtre? Elle est sympa. Ah, j'ai pas tous vos filtres. Faut vraiment qu'on se fasse une journée... On sera peut-être une semaine Pokémon bientôt. J'y ai pensé. Faut penser à faire ton farm PM, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, faut que je pense à farmer les PM. Faudrait que Moon finisse le jeu, qu'on puisse farm tous ensemble. Je vais peut-être continuer à live au final, tant que je suis sur mon live Switch, je vais voir sur quoi jouer derrière. Ouais, bah écoute, on va venir te raid si tu live encore. Bref, on va te rapporter de la force. On est pas mal sur mon live. On va t'apporter de la ce fort. Comme ça, les gens vont te découvrir, vont pouvoir aller follow. Mais découvrir aussi ton univers. GG Brahms, level 30, Luteng,
Le looting. Attendez, je rechange mon Fantominus. Je veux à tout prix une photo avec. Je suis un lutin MDR. En fait, comme je vous appelle les monstres, les grades, c'est... Les grades, c'est des monstres de la, des légendes françaises. Du coup, il y a, voilà, y a le Kinotaur, le lutin, le feu follet, tout ce qu'il y a dans, dans les légendes et folklore... Ah, les créatures fantastiques, quoi, exactement. Parfait, Fumas. Fou rire. Fou rire. Elle est cool. Pris la grosse tête. T'as vu ça? Elle est cool celle-là aussi. L'effet noir et blanc est pas mal, je trouve, sur, sur le jeu. C'est pas juste une dépigmentation. Pardon, j'éternue. C'est un gros c'est un gros topico que vous avez là. Ok. Bon, on va avoir fini plus tôt, hein. Elle est longue. Elle est toute dure. Oh, elle est toute longue. Ah, faut que vous vous mettiez là dans la scène. Laisse vous mettre par rapport à mon écran vu qu'il y a sûrement un décalage. Il manque toi, Houston. Il est caché, le petit moustillon, c'est mignon. Tu veux pas être sur la photo, Houston? J'apparais pas sur ton selfie, tu vas être trop près. Faut que tu te mettes derrière mon Fantominus, ouais voilà. Il s'est passé un truc chelou, il y a ton Miraidon qui a disparu. What?
Pourquoi je vois ton Miraidon, mais je te vois pas toi. Ah, d'accord. Excusez-moi, je fuis. Non, je vais pas fuir, je vais le tuer. Je t'ai dit, je suis un fantôme. Hardcore, t'as disparu de mon écran, quoi. Fantominus, il va prendre dépit, quoi. Oh non, du coup, ça l'a enlevé. Attendez, bougez pas. Ok, je me remets. On était là. Non, j'étais là. Voilà. Voilà. Ouvrir. Il est dans le mauvais sens, ton fantôme. Ouais, ouais, je sais. Tourner dans le vide, vide. Je kiffe l'emote de Asa. De Asa. Ah, celui que tu as là. Bien les zouzous. On va aller raid Houston. Hein, on va faire ça. On va aller raid Justan aux roses. Écoutez, ça m'a bien plu, cette petite saison 2, encore une fois, de Pokémon Budokai Tenkaichi. C'est la fin, du coup, de cette saison 2, avec le Little Cup ce soir. À partir de la prochaine fois, il y aura donc des tirages au sort qui seront faits. Je les ferai pour la première fois hors caméra. La deuxième fois, je le ferai en live. Yay, qu'est-ce que c'est cet emoji ? De Tarfu. Waouh. Bien sympa. Bon, faut que je réfléchisse à quel jeu Switch jouer maintenant. Bon, les dresseurs, je vais vous laisser. Je vais dodo. Bonne fin de soirée à tous. Merci d'être passé, Brahms. Des gros bisous, bisettes. Prends soin de toi. J'espère que ça t'a plu, que voilà, t'as pu voir un peu de stratégie atypique avec la Little Cup ce soir. N'hésite pas, hein, d'ailleurs, si tu reprends, à nous faire signe pour jouer avec nous. N'hésite pas, hein. Tu es le bienvenu. Tu le sais, tu le sastres. Des bisous, des bisettes, prends soin de toi. Bonne soirée à toi, bon app si t'as pas encore mangé. Puis on se tient au jus pour cette petite soirée karaoké qu'il faut qu'on se fasse, là. Carrément, moi, ça me chauffe. Bon. Demain, Ark Survival Evolved. Le roi Kaiju en alpha, avec Houston, qui va participer, du coup, normalement. Bisous, bisettes, un plaisir comme d'hab, yes. Content, content que ça t'ait plu. Du coup, on fera ça en binôme. J'ai encore des préparatifs à faire ce soir, mais normalement, ça devrait être... ça devrait le faire. On fera ça en live, 21h minuit demain. Après, je pense qu'il n'y aura plus de live arc. Pour l'instant, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, plus de live arc. Ça sera consacré à la VOD sur YouTube. Jeudi, on va jouer à Dead by Daylight. On va terminer l'Event Blood Moon qui se termine le 31, je crois. Donc, on va voilà, faire un dernier petit live pour profiter des points de 100 bonus. J'espère que Fumas, tu te joineras à la survivance. D'ailleurs, Houston, n'hésite pas, hein, si tu veux jouer avec nous aussi à DBD, t'es le bienvenu. Et puis vendredi, j'avais dit qu'on ferait premier degré, la première émission de premier degré. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'on va delay ça pour le mois d'avril. Ça me demande pas mal de taf. J'ai encore pas mal de choses qui me manquent
pour l'émission tout court, des petits jingles, des petites musiques, des transitions de scène, etc. Voilà, il me manque encore des petits trucs. Il faudrait en plus que je prévoie le sujet avec des récaps, etc. Ce serait compliqué. Du coup, on verra ça pour le mois d'avril. Vu que j'ai Oshimago en même temps, j'ai la musique de Pix à collab à faire en même temps, j'ai les lives tout simplement et puis le reste en même temps. Donc, voilà, j'ai été un petit peu gourmand, ça sera pas ce vendredi-là, peut-être la semaine prochaine, sinon fin avril, sans faute. Fin avril, sans faute, il y aura premier degré. Mais voilà, j'ai réfléchi tout le week-end, ça va être compliqué pour moi de mettre ça en place vendredi. J'ai envie là par contre que ce soit pas un mode accès anticipé, que ce soit vraiment dès la première émission, une bonne émission, que ça vous intéresse dès l'émission pilote. Et que ça donne envie aux autres de participer en tant que chroniqueur, parce que c'est aussi ça l'essentiel de cette émission. Ce que je veux vraiment dégager, c'est qu'il y ait un panel de personnes de tout genre politique qui discutent ensemble et de tout genre sociaux qui discutent ensemble de sujets et d'autres. C'est le principe. En attendant, moi, il ne me reste qu'à vous remercier. On est de moins en moins. On va partir avant qu'il n'y ait plus personne. On va soutenir Yustan ici présent. Hein, n'hésitez pas à aller le follow. Il le mérite amplement. Hop. Hop. Essential qui est sur Valorant, Lilo qui est sur Valorant, on va les lurk et nous on va chez Yustan. Hop. Bah GG Nega, GG Yustan pour votre première place, GG Fumas pour ton Evoli Shiny, GG à moi pour mon Gigancel Shiny la semaine dernière. On revient donc pour une saison 2 très prochainement. Il y aura peut-être une petite pause, vous vous en doutez. Il y a du Yu-Gi-Oh! Aussi qui est bientôt au programme. Donc vous vous doutez, il y aura peut-être une petite pause de Pokémon. En tout cas, du Smash Bros. Qui arrive, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc ça sera normalement lundi 8, si je dis pas de bêtises. Lundi 8, parce que lundi 1er, je ne serai pas en live. Je prends mon lundi de Pâques pour rester tranquillou à la maison avec la chérie. Donc lundi 8... Il y aura du Smash Bros, lundi 15 peut-être du Yu-Gi-Oh, donc peut-être un live Pokémon le lundi 22, mais il y aura aussi du Pokémon Unite qui devrait normalement revenir sur la chaîne d'ici peu. Voilà, je vous fais d'énormes bisous bisettes. C'était No, votre humble serviteur, on sauvegarde, pouf. Nous, on se retrouve donc demain à la même heure pour notre live sur Arc. Tuer le roi Kaiju une bonne fois pour toutes en alpha. Jusque là, gardez la patate, la banane, la pêche, mais surtout n'attrapez pas le melon. Bonne soirée tous les couchetards, bonne nuit tous les couchetaux, bon appétit à tous les fous qui comme moi n'ont pas encore mangé. Unite toujours chaud et mon beau-frère sera peut-être chaud pour venir Yu-Gi-Oh! Et je pense qu'Ophane sera du même avis. Et bah écoutez, on pourra se faire peut-être des petits tournois Yu-Gi-Oh, ça serait super cool. Encore GG Fumas, encore GG Yustan pour les résultats de ce soir. On va raid notre cher Yustan, restez là jusqu'à la fin du ending. D'ailleurs, bientôt nouveau opening, nouveau ending, je suis en train de les faire. Musicalement, c'est bientôt fini. Les vidéos ne tarderont pas. Normalement, fin avril, nouveau opening, nouveau ending. Tchuss, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous, merci pour votre présence. Oui, merci d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu encore une fois pour ce tournoi. Et merci Yustan pour le shiny. Vous soutenir Yustan. Je veux que tous ceux qui ne sont pas follow aillent se follow, les zouzous. Ils le méritent amplement, notre cher Yustan. Bah ok Gustave.
pense qu'entre 15 et 14, et 14 du mat, ça fait 13 heures de live. Waouh! Et bah, allez, on est 6 pas. Allez, allez, 6, on est 6. Allez, un petit peu plus, un petit peu plus, non? Apporte tout ce que je peux, mon grand Houston. Moi, je vais pas te cogner cette tête là. Cuba. Eh ouais, Houston a fait 13 heures de live, GG à lui. On va en tout cas le soutenir. Bisous, bisette les monstres. Jusque là, prenez soin de vous. Merci pour tout. N'oubliez pas que sans vous, tout ça ne serait pas possible. Tchou, tchou, tchou.